Rendez-vous info. Madame, monsieur, bonsoir depuis Studio 4, la Voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacques-Lain Bélizier. Un plaisir, une autre fois encore, pour ensemble, pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien, quelques grands points cap dominé actualité. Actualité à concernant le pays d'Haïti, Premier ministre haïtien Gary Conille, devant Conseil Sécurité des Nations Unies dans New York, exposé aspiration mission transition pendant qu'il lançait un appel pour une solidarité internationale pour aider Haïti faire face à la crise la traversée. Je vous le dis. Toujours concernant le pays d'Haïti, unité hydrométéorologique UHM décrété alerte vigilance orange sous département sud. Sud-Est à Grand-Anse devant menace ouragan Beryl. États-Unis élection, rencontre président Joe Biden avec plusieurs parmi 23 gouverneurs démocrates dans démarche pour bayo garantie li mentalement et physiquement capable pour rester candidat pour présidentiel après mauvaise performance li te bay dans dernier débat contre ancien président républicain Donald Trump. Et c'est pour ça yo, avec l'autre encore nous pour le développer pour dans un petit moment. Actualité mené nous d'abord dans New York côté Premier ministre Gary Conille, et ben devant Conseil Sécurité Nations Unies exposé et mission il y a Sandra Lemaire té gain et déclaration plusieurs représentants plusieurs pays dans occasion. Premier ministre haïtien Gary Conille prononcé un discours devant Conseil Sécurité Nations Unies côté li bay détails sur situation Haïti avec travail gouvernement li a fait pour résoudre crise qu'a tracassé Haïti depuis longtemps. Conille dit débarquement premier contingent policier Kenya yo en Haïti marqué une étape essentielle dans processus pour rétablir sécurité en Haïti. En abordant la situation complexe et souvent tragique d'Haïti, il est essentiel de reconnaître que la responsabilité principale d'adresser nos défis incombe à nous, Haïtiens. Nous n'allons pas déléguer notre responsabilité. Cependant, nous reconnaissons aussi que les actions et les politiques internationales ont façonné et continueront de façonner le contexte dans lequel nous luttons pour la stabilité et le développement. Cette reconnaissance mutuelle de responsabilité partagée est cruciale pour établir un partenariat respectueux et efficace, capable de soutenir Haïti dans la construction d'un avenir meilleur, tout en respectant notre souveraineté et notre droit à l'autodétermination. Conille exprimait confiance avec optimisme vis-à-vis progrès qui est déjà fait, en même temps que les détaillait gravité situation actuelle pays. Un contingent 200 policiers kenyans arrivés en Haïti semaine passée, dans le cadre de mission support sécurité pour Haïti, côté, il y a parlé des forces police nationales là, combat de gang, qui presque fin prend contrôle capitale la net. Délégation Haïti a une rencontre là, t'es inclus ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuis. Représentant quelques parmi pays membres conseil là, t'es prend la parole. Ambassadrice États-Unis Linda Thomas Greenfield t'es fait chita attendre avec Conille à part. Côté yo t'es discuté sous mandat BINU, Bureau intégré Nations Unies pour Haïti, qui prend fin dans fin mois de juillet. Engagement États-Unis pour continuer supporter mission sécurité pour Haïti et puis j'ai fort américain à fait pour appuyer régime sanctions qui visait exiger moun qui responsable pour actes violents prend responsabilité. The Haitian people deserve at long last to live in peace. Les peuples haïtiens méritent enfin pour vivre dans la paix, pour le travail, l'école ou bien l'église, sans menace à violence. Ambassadeur la Russie, qui occupait place présidence conseil la Moissa, critiquait États-Unis pour pas qu'être zam cap sauté la Kaili, dans bateau à petit avion pour amé gangyo. Ministre affaires étrangères République Dominicaine, Roberto Alvarez, te présente tout dans déclaration Pali, Monsieur dit ses responsabilités peuple haïtien avec les Dolio pour y gérer situation Haïti. Mais il félicite tout effort communauté internationale l'a fait pour aider Haïti sortir de la crise la confronter à. Il ajoute Haïti sous bon chemin. Envoyé adjoint Kenya dans l'ONU, Njambi Kinyugu, te prend la parole tout, côté l'été dit, premier contingent policier pays li, recevoir un accueil chaleureux en Haïti et que yo déjà tamé opération à police nationale pays a. Rencontre l'ONU a déroulé après rencontre Premier ministre Conille avec ministre des Affaires étrangères Dupuis, te gagné avec secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans Washington hier madia. Sandra Lemaire, VOA Créole,
Washington. Faut qu'on dise que le premier ministre haïtien Gary Conny mettait discours ça devant membre Conseil sécurité des Nations Unies dans cadre d'un viréon que l'a fait dans aux États-Unis après Washington New York. Nous gain sous place dans New York Valérie Saint-Louis qui pourra dire nous plus. VOA Creole, nous avons une mission permanente d'Haïti auprès des Nations Unies dans la Cour Manhattan. Côté que je dis, il y a une délégation officielle haïtienne avec à la tête le premier ministre Gary Conny, justement, saute rencontrer ensemble avec pays membres Conseil de sécurité des Nations Unies. Au sortir de réunion, ça, eh bien, premier ministre Gary Conny, t'es fonti parler ensemble avec la presse. Il était dit que t'es très satisfait de réunion, ça, qui montrait engagement communauté internationale là pour aider Haïti et aller au-delà de vraies causes insécurité avec instabilité. Ça qui dit même à Maspiné pays. Commitment to really accompanying Haiti through this very difficult process, but also the recognition that it has to include beyond the forces, but a commitment to addressing the root causes that sustain this type of. Il dit tout que li sorti extrêmement satisfait de rencontre là, côté que li senti que communauté internationale là gagne une solidarité que l'a fait avec Haïti, côté que ensemble yo reconnaître que situation grave et que yo obligé réussi. Léo Temandel pour force multinationale ça qui gagne à la tête du pays Kenya qui suppose qui déjà un premier contingent qui entre en Haïti. Premier ministre Gary Conny te répond pour dire que li au courant des efforts qu'a fait entre policiers kenyans ensemble avec policiers PNH pour commencer à couper insécurité dans le pays. Il dit qu'il travaille très bien, il a coordonné les efforts pour capable ensemble avec police nationale là coordonner les efforts donc pour collaborer ensemble pour résoudre situation qui d'insécurité ça qui blaye dans le pays. Il dit que li très optimiste et li joint tout en pile bon feedback qui sorti dans la population de participation force Kenya ça jusqu'à présent qui en Haïti. Le journaliste posait la question mandé d'après lui puisque lui là en personne devant Conseil de sécurité à l'autre palais qui l'autre contingent force policière rentré en Haïti. Pour Nice Gary Conny répond pour dire que lui pas au courant ni de date ni de lieu qui a rentré mais il est très sûr que très certainement c'est pour très bientôt. C'est comme ça que le ministre Gary Conny a réagi devant la presse après qu'il était sorti dans réunion ça qu'il était gagné avec pays membres Conseil nous déplacer, nous venir dans mission permanente d'Haïti auprès des Nations Unies parce que justement nous t'ai pensé que nous t'avons rencontré avec délégation ça, nous t'ai peut-être rencontré avec le premier ministre hein, et les autres ministres qui font partie de délégation ça, notamment ministre Affaires étrangères là, ensuite ministre des Finances qui dit même ensemble avec le premier ministre Gary Conny, mais malheureusement d'après employé il fait nous connaître que il a pas programmé puis il venir visiter mission pour aujourd'hui. De toute façon, nous souffle place, Gary Atidor, Valérie Saint-Louis, pour VOA Creole, depuis Manhattan, New York. Merci Valérie Saint-Louis, merci Gary Atidor. Et puis, il faut dire que le Premier ministre Gary Conny lui-même, dans l'occasion mauvais temps qui menaçait Haïti, a lancé un appel à la population dans un moment de danse devant menace ouragan Beryl. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Malgré ouragan Beryl rétrogradé en catégorie 4, il est toujours représenté une menace pour Haïti. Dans ce sens, le Centre national qui a géré risque avec des as émet niveau vigilance orange sur toute côte sud pays d'Haïti. Marcelin Sterling, qui est coordonnateur du Centre, a demandé la population de veiller message aux autorités. De conseil avec l'institution régionale, il a choisi de mettre Haïti sous surveillance cyclone. Et surveillance cyclone ça, c'est ça qui fait nous mettre au niveau de vigilance jaune face avec tout paramètre ça yo qui capable même s'il était loin, même s'il t'a supposé passer au large de d'Haïti. Depuis mardi soir pour arriver mercredi 3 juillet, ouragan Beryl commencé faire sentir présence li en Haïti notamment dans le département Sud-Est. DG Protection Civile, Emmanuel Pierre, dit population, pas occupé rime, mais plutôt message autorité qui autorisé pour ça. Pas occupé rime, il y a des gens qui doivent dire, oh, ça va passer. Il y a des gens qui doivent dire, oui, la passe, la tourion. Maintenant, les gens qui voient autorisé, c'est nous-mêmes qui là. Continuez à veiller message autorité. Et puis, suivre toute consigne que nous avons fait là. Et que nous connaissons déjà. Premier ministre haïtien Gary Conny mandé à peuple haïtien pour suivre conseil autorité secouyo face à passage ouragan Beryl. Dans la région Grand Sud là, pas faire gros déplacement sin pas besoin. Pas prendre mais pas faire prendre toute précaution pour accident par humain. On nous était réactif. Tendez conseil protection civile.
Beryl touché pays la Jamaïque jeudi mercredi ensuite zilé Caïman après le fin la cause pour petit 7 moun perdu la vie et causé en pile dégâts matériels dans sud-est Caraïbes blanc selon centre américain ouragan. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Effectivement, tant que correspondant nous Yves Manuel Soudila, Beryl déjà fait dégâts dans Caraïbes, il y a au moins 7 personnes qui mourent. Nous allons rejoindre Gentil Augustin Junior qui a plus de détails. D'après les spécialistes américains, cyclone Beryl pose un danger vital pour Jamaïque et Zile Caïman. Centre national cyclone dans Miami, NAC, 10 cyclone Beryl, apote ak li vent maximum cap soufflé ak 230 km chaque aide-temps. Ça qui fait li se yon tempête catégorie 4. Président Joe Biden a surveillé ak en pile attention cyclone Beryl la cap déplacé à travers Caraïbes la. Li di administration li a paré pour supporter région et li encourage résident yo pour yo suivre directive locale yo. Ignoring climate change is ignorer changement dans climat mortel, dangereux et irresponsable. Événement mauvais temps ça yo pas seulement affecter la vie moun. Yo coûte tout en pile l'argent. Yo bay économie en problème et puis yo gagne un gros effet psychologique négatif sou moun yo. Au moins 3 moun mouri et 4 l'autre disparaître sous côte caraïbéen Venezuela. Après cyclone Beryl, te déplacé dans direction nord à travers la mer Caraïbes là. Président Nicolas Maduro te dit hier mardi 2 juillet 2024 là. Beryl qui te gros la pli dans état nord Sucre. Côté li te la cause, yon rivière débordé qui te provoqué inondation. C'est ça média local yo rapporté. Président Maduro confirmé gen 400 kay qui te complètement crasé et li voye condoléances pour pas rendre victime yo. Nous confirmons la mort 3 moun, des garçons ak yon femme, que nanm yo repose dans la paix. Nous voyons condoléances nous pour parents yo. Beryl pas seulement rivé Venezuela. Yon vidéo drone Waters vérifié et confirmé date d'été filmé a montré gros vague de l'eau sous côte République Dominicaine. République Dominicaine ak Haïti tap tant condition tempête tropicale la hier mardi 2 juillet 2024 la. Service protection civile haïtien te fait yon conférence pour la presse pour sensibiliser population sous passage cyclone Beryl. Depuis 2005 après c'est le premier système qui allait vite comme ça et qui brûle tout étape dans moins que 48 heures. Et ce sixième système tout depuis n'a fait suivre dans la région qui en 20 premières semaines juillet qui est en catégorie 4. Autant dire pour me faire nous comprendre que saison 1 j'aime de dire là est vraiment active. La presse doit supporter nous en faire vigilance, brigadier doit continuer et des populations ensemble système là doit continuer faire travail sensibilisation. Beryl, c'est premier cyclone dans saison 2024 là dans Atlantique là. Et puis premier tempête yo enregistré et qui rive dans catégorie maximum 5 sous échelle Saffir-Simpson. Au moins 7 moun déjà perdu la vie yo pendant passage cyclone Beryl là. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci gentil ou sur VOA Creole ou suivre le programme dans langue créole haïtien pas déplacé l'autre point dans l'actualité dans un petit moment. Merci d'être toujours été branché sous VO Acrol n'a pas mettre depuis Washington DC et ça fait nous un pile plaisir de ce que nous wagan pile dans nous qui branché que ce soit sur Facebook ou bien sur l'autre plateforme que nous gagnons et VO Acrol a continuer accompagner. L'autre point dans actualité c'est élection ici aux États-Unis gain président Joe Biden jodi a qui rencontré avec plusieurs gouverneurs et démocrates et la PC est convaincu que vraiment li
physiquement et mentalement en mesure pour continuer cours là pour la représenter parti démocrate là dans élection qui fixé pour et novembre Kavila. Pendant ce temps tout gain président dit que lui-même il pas d'accord avec décision cour suprême n'en prend pour bail ancien président Donald Trump immunité contre poursuite légale pour action yo li t'a posé pendant fonction officielle. Jean-Aubert Philippe a suivi pour nous de très près situation. Jean-Aubert, eh ben yo pas metté tout de côté ingérence ancien président Donald Trump dans élection et 2020 Jean-Aubert. Oui, l'élection que suprême n'a pas touché question ingérence et président Donald Trump, ancien président Donald Trump dans l'élection présidentielle 2020. Alors sa présidence Joe Biden a fait kounia parce qu'après débat et le fait que le tapé des moments était dans le débat, il y a des grands piles paroles qui t'a parlé, qui t'a demandé même pour te démissionner, c'est ça que les démocrates t'ont demandé. Et bien, je veux dire, elle confirme que l'IPAP fait un paquita, un panago, l'a fini l'élection, juste l'a crité dans la course là, jusqu'à ce que l'élection soit fini. Et c'est confiance ça que devait bailler. Tout le monde qui est capable de quitter Koussa Kounia, il n'y a pas aussi facile, étant donné que c'est très difficile pour remplacer un président dans une position pareille et pour remplacer un candidat, un parti, étant donné que ça, ça m'a dit pour ça à fait. Le président Joe Biden n'a pas mis le nom en bouche pour lui critiquer la décision de la Cour suprême des États-Unis qui dit qu'il n'est pas capable de poursuite légale contre l'ancien président pour action officielle posée pendant le sous-pouvoir. Une décision qui vient pour avec soi-disant implication ancien président Donald Trump dans l'attaque qui était faite sous Capitole là 6 janvier 2021. Decide whether Donald Trump's assault on our democracy on January 6th. Président Biden déclaré peuple américain doit décider si oui ou non attaque Donald Trump te fait sur démocratie noire si janvier 2021 fait pas qualifié pour occuper plus gros position publique pays a peuple américain doit décider si c'est un bagage qui acceptable pour Trump te servir avec violence pour le conserver pouvoir. Ancien président Donald Trump a mis un message dans ce qui semblait médias sociaux liés à Truth Social pour dire que le suprême n'a démentibilé totalement puis faux chef accusation qui était gagné contre moi. Joe Biden doit kounye là retirer chien lio. Pays a doit kounye là concentrer sous grandeur encore. Puis au tribunal là pas écarté actuel dossier qui devant tribunal sur une ingérence électorale contre Donald Trump qui en bas accusation comme quoi il a essayé renverser résultat élection 2020 que Joe Biden a remporté. Harold Krent, professeur de droit dans Chicago, a déclaré to extent that he was acting as a private candidate, dans mesure il était agi comme un candidat privé, action liée t'a considéré comme action qui n'est pas officielle. Mais étant donné qu'il t'a parlé avec vice-président concernant ça, il était quoi vice-président doit faire dans le Sénat, étant donné qu'il t'a parlé avec le ministère de justice là pour connaître si oui ou non t'es gain fraude dans l'élection, donc il t'a pas agi comme officiel. Événement 6 janvier 2021 était mentionné brièvement pendant débat jeudi 27 juin, mais le vacant PA capable utilisé comme une grosse question pendant la campagne électorale là. Si campagne Biden voulait aborder le sujet, David Ramadan, qui a pensé sciences politiques dans George Mason University, parlait pour dire. That's why I put the burden on the Biden campaign. C'est raison ça qui fait nous la responsabilité à sous campagne Biden non pour rappeler électeurs indépendants. C'est une grosse question pour yo. Yo doit rappeler yo ça chaque jour. Ça gagne 3 ans population capable commencer oublier et yo commencer à réfléchir avec leur bagaille. Avec électeurs américains qui s'y polarisent à droite et à gauche, électeurs indépendants sont capables de basculer l'élection dans un camp ou bien dans un autre. David Ramadan a ajouté, électeurs indépendants sont capables de faire différence là. Ils sont capables de faire réussir ou bien écraser. Mais d'ailleurs, dans cette liste-là, comme une portion dans l'électorat, jeunes électeurs, c'est une autre catégorie, mais ils sont pas électeurs indépendants. Dossier ingérence électorale trop plan a continué à tribunal de bas instance qui prend décision importante avec accusation qui est appropriée après décision Cour suprême. D'après expert, il est capable difficile pour gagner un jugement contre Donald Trump avant l'élection novembre 2024 là. Verdict, un tribunal te gain pour prendre contre Donald Trump 11 juillet qui vient là et bien verdict ça lui envoyé pour mois septembre. En attendant, campagne Biden de décider si oui ou non, il a utilisé attaque 6 janvier 2021 comme un point central pendant la campagne électorale 2024 là. Jean-Bert Philippe, VOA Creole,
Washington. Docteur Koum, dis-nous, 2024, là, c'est l'année électorale ici aux États-Unis et nous à quelques mois de l'élection, lundi, 4 mois puisque c'est 5 novembre 2024. Donc, VOA Creole branché et n'a pas suivre tout développement qui gagne dans l'actualité électorale là, ici aux États-Unis. Nous retournons dans l'actualité concernant le pays d'Haïti avec réaction sous force multinationale qui gagne en tête li Kenya, qui débarque déjà en dans pays d'Haïti, qui déjà gagne un premier contingent avec 200 moun. Nous prenons dans la communauté haïtienne dans Massachusetts avec Erlich Dorelas qui pourra dire nous qui genre communauté haïtienne réagit sous développement ça. Plusieurs compatriotes haïtiens dans la ville Boston ont parlé d'amis coréens à créole sous arrivée troupes Kenanyo sous territoire pays d'Haïti. Opinion personnelle, moi ouais, nous t'es qu'à servir avec force police là, avec l'armée, et nous bayons équipement et puis yo capable croire bandi yo sans que nous pas besoin yo force entrer en Haïti. Comme yo déjà venu, moi-même m'assure pour nous ouais sa capacité. Est-ce qu'on t'a dû porter bas sécurité ou non mais étranger? Sécurité d'abord. Mais qui sont définis. Sous-définis que c'est vous-même, sur le territoire, c'est vous-même qui vous faites. Vous prenez un policier sorti au cap pour la mettre en sécurité pour vous, parce que vous avez un résultat. C'est les gens dans la ville qui comprennent, parce qu'on voit que les bandits sont rentrés et qui ont été terroristes dans la ville, qui ont terrorisé la population. Et bien, c'est de même, nous prenons analogie ça dans le sens. Bon, nous croyons que tant que tout haïtien, ouais, on connaît tout que pour y avoir un problème de sécurité. Donc police nationale là effectif les réduit grand pile policier qui déserté, gain policier qui était entré dans gang tout. Donc Haïti besoin aide. OK, donc on passe présentio est capable aider nouveau gouvernement et qui là ensemble avec et conseil présidentiel là et améliorer et sécurité à dans pays là. Monsieur Kenya qui vit en Haïti, nous qui soif nous a soif et nous bien besoin nous en need li en urgence, quel que soit monde qui t'a venir de nous on t'a toujours prendre. Et souhaitons le Saoudi a venir faire une fête, t'a gain sécurité et t'a gon changement dans pays là parce que nous t'a remé fois la caïno et nous est dirigeant la caïno pas décidé faire obligé et mandé help de yo. So si moun yo vini en bas, on a une chance pour regarder pour voir ce qui s'est fait. Face au climat et à la sécurité qui a prégné sur le territoire du pays d'Haïti, en pile, les Haïtiens n'ont pas qu'à passer vacances avec la famille et les amis. Rêve de retourner en Haïti, à le fêter, à le célébrer. Erlich Dorelas, depuis Boston, Massachusetts, pour la Voix de l'Amérique. Et pour l'autre réaction encore, nous pourrons aller dans Atlanta, Georgia, côté que nous pourrons rejoindre correspondant nous Yumi Janet, qui pourrait dire nous qui la communauté haïtienne dans la zone par là réagit par rapport à la situation. Depuis les premiers groupes 400 soldats kenyans ont débarqué dans le pays à mardi 25 juin qui s'est passé, pas suspendre provoquer réaction dans la communauté haïtienne dans la diaspora. Plusieurs citoyens VOA Creole ont été questionnés. Montrer au pessimiste sous des affaires mission pour quelqu'un pour le faire face. Et par rapport à gang qui gagne en Haïti, vous voyez simplement 400 soldats qui pour faire face à gang ça yo, ça pas représenter rien. L'état pour moi même penser l'état plus bon pour yo ta investir l'argent dans la police nationale là, dans soldats haïtiens yo, et bien on pensait que yo plus compte terrain hein. Pour que vous êtes capable de faire face à bandi a si et seulement si vous avez les moyens nécessaires. Et M. Kenya, ce n'est pas la même solution pour le pays. Parce que vous avez des couloirs, M. Kenya, vous ne connaissez pas. Sous périmètre là, vous ne connaissez rien assez vraiment. Même la police, comment vous êtes victime de mes ça. Mais allez voir M. Kenya qui est une force étrangère qui ne connaît pas le périmètre là, qui ne connaît pas rien. Mon cher, monsieur, vous avez une volonté pour résoudre le problème, non? Mais l'heure vient arriver. Souterrain, j'ai été pensé là, c'est nettement différent. Parce que l'autorité politique ne pas permettre de faire travail à vrai. Parce que gang li en faveur de nèg. Citoyens fait connaître tout, pour mission ça réussi, il faut que vous cherchez connaître qui moun ou bien qui secteur qui se boit des bananes gang yo. Ok, au fin de tuer et monsieur ça,
Mais qu'il y a, est-ce que vous attaquez vraiment problème là? Vraiment problème qui est lié, c'est oligapio. Oligapio, c'est eux même qui ont contrôle, si monsieur. C'est eux même qui mettent monsieur aux armes. Monsieur a collio avec soulier yo. Yo pou ko jam met men sou youn. Yo pou ko jam met men sou youn. C'est à partir du moment là où tu as commencé met men sou monsieur à soulier yo pour t'arriver sous nèg avec sa patio jusqu'à ce que peut-être nous te ka wè gagne yon activité k'ap mené vraiment parce que vraiment pays a vinn danger. Yo mi janit pou VOA Créole. Et bien, dans le département Nord Pays, il y a un groupe Sergi Med qui organise un forum sous santé dans la ville Cap-Haïtien, Gérard Maxino. Forum ça qui est consacré sous santé dans le département Nord, est organisé sous initiative groupe Sergi Med. Réalité affaires santé et spécificité avec défi dans ce qui est à oué avec développement durable, c'est le thème qui débatte dans le forum ça. PDG Sergi Med là, Dr. Wesley Joseph expliqué, objectif forum ça, c'est pour décrire des défis ak anje qui gagne à wè ak santé dans département Nord. Nous connaît que département Nord là gagne un pile problème santé. Par exemple, nous pas ka gagnon ça nous capable reler un examen tan ko un scanner, un malade qui fait un stroke, il a besoin soigner pour connaître s'il est hémorragique. Ça veut dire est-ce que c'est vaisseau qui pété qui a sain dans tête li? Ou bien si c'est un vaisseau qui bouché, maladie ça pour le jeune scanner là, il est obligé monter pour Port-au-Prince ou bien les traverser République Dominicaine. Donc tout ça dans forum ça, nous t'ai invité ensemble de prestataires de soins dans département pour être capable venir parler santé, parler problèmes que a confronté au niveau de département. Yo chirurgien orthopédiste Dr Emmanuel Siak expliqué gien pile faille qui besoin combler dans système sanitaire noir. Parce que pour ça qui gagne ouais avec spécialité là, c'est seulement 7 orthopédistes qui offrent service dans tout Grand Nord. Par rapport à la recherche que je fait pour que je me préparé pour la présentation, je remarque que l'orthopédie a gagné malgré un pile exploit que nous réalisons dans le domaine de Nord, mais nous avons un pile faille que nous besoin combler. Il y a une faille, c'est que dans la recherche que moi fait, moi ouais gagne 7 hôpitaux seulement qui a offert service orthopédie dans toute Grand Nord qui gagne plus que 1 million de monde et statistique 2015 montre que gagne à peu près 1.5 million de monde qui vivent dans Grand Nord. Économiste Ezia Emile t'es parlé des liens qui gagne entre santé et économie qui j'en pouvoir d'achat qu'a influencé. Divenès n'apprend que la police nationale d'Haïti posait la patte sous Maslim Itil alias Arabe, que après que Arabe j'ai connais j'ai information a dit hein l'été saute en dit déposé ou dit moins sur en conférence devant le président. Alors feu président Jovenel Moïse n'appelle rien que nous connais dimanche 7 juillet hein. Il marque 3 l'année assassinat président Jovenel Moïse. Rivé Delma 43, selon ça que nous apprenons, la police nationale d'Haïti posait la patte sous Arabe ensemble avec chauffeur moto qui tape conduit Arabe blanc. En plus, on commence à réagir sur question arrestation Arabe blanc. Bien que, et tout, en plus, on d'accord que Arabe t'a été évadé de prison parce qu'elle t'est sauvé dans prison que qu'on est les que nek armé vivant s'est mis écrasé prison ça. Pénitentiaire national. Mais Arabe t'a toujours expliqué que lui-même lui t'a arrêté parce que il t'a reproché lui, il t'a dit que l'a fait complot contre la sûreté de l'État, que nous songer ça a été metté comme ça les chefs accusation sous dos Marcelin Mitil l'ec Arabe. Mais il y a plus monde qui comprend toujours dit hein, que arrestation Arabe c'était une arrestation politique liée. Selon ça mon yo t'a dit, nous prenons l'analyser et nous prenons questionner ça. Et il y a quelqu'un qui dit, si vous avez arrêté Arabe, normalement tout, faut que vous arrêtez ancien commissaire gouvernement au Kailan, Ronald Richemont. Comprenez bien? Mon yo dit, même Jean, que la police a cherché et a cherché Arabe pour arrêter l'an, faut que vous arrêtez tout Ronald Richemont. Parce que, il y a un pile plainte qui était déposée contre Ronald Richemont, et parmi les plaintes qui était déposée contre Lio, c'est question assassinat journaliste Esgari. Nous allons analyser et nous allons regarder ça. Est-ce que il y a un petit fait volant ou dis-moi, est-ce que il y a un torchon qui a boulé entre
conseil présidentiel de la présidence et puis la primature à travers PM Gary Conille. Et je dis, je vais faire comprendre que entre la primature et la présidence, et deux têtes exécutives, qui est-ce qui, normalement, gagne plus pouvoir sous l'autre? Ou dis-moi, est-ce que je dois travailler en collaboration? Ou encore, tout, est-ce que je dis, et je dois exécuter, exercer, parce que c'est la présidence, parce que c'est la primature, je n'ai pas droit sur un tel, je n'ai pas droit sur ci. Ça veut dire, je dis, nous pourrons analyser ça yo, et nous pourrons garder ça. Yo. Encore, pendant que PM Gary Conille mandé, mandi yo, après que le cas s'était retourné dans le pays, samedi 6 juillet, li encore mandé bandi yo, déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État, et c'est la première étape, la première phase. Nan. Mais li dit, phase ça que yo mandé bandi yo, déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État, eh bien, li clairement dit que face ça pas trop long parce que l'État pas arrêté dans éternel et comme si m'en demandio déposer les armes reconnaître autorité de l'État mais non li dit ça ka prend un jour li ka prend deux jours li ka prend une semaine li ka prend un mois mais pas arrêté éternel et Haïti pas ka péri Haïti pas droué péri parole PM Gary Conille. Désir, comment est-ce que mon frère est sorti dans Jakoutou? Parce que nous prenons parler avec Zamio et comme d'habitude, nous prenons ça de gagner. Très bien, la situation, on nous dit avec Zami Internet, qui est tout partout, gagné et ministre Affaires étrangères pays d'Haïtien qui déclenche question enquête dans divers consulats qui pratiquement gagné beaucoup sur la DAO. Et bien, il est demandé avec Cour supérieure des comptes des contentieux administratifs pour essayer donc de vérifier quantité de gars, monde qui passait dans la boîte là, surtout gagné gros scandale, corruption, il fait quoi, qui t'a gagné dans la diplomatie haïtienne. Bandi, captaille, bandard dans la commune, kafou, tétouillé pendant semaine, la situation, au moins trois mois. Dans Akachon 32, dans Zach Silla, tu as gagné des inspecteurs police qui t'a perdu la vie dans la situation Silla qui permet en pile et Haïtien qui tout partout dans le pays a questionné volonté qui gagne bon côté et premier ministre Gary Conille, le premier des policiers et questionné tout volonté qui gagne et bon côté nouveau directeur police nationale d'Haïti. On voulait parler de nom Mille Rameau, pendant le vin là, il prend baptême de fil, commissariat dans Gressier, saisi, crasé par bandit avec Zamio qui dans Gressier et même là tout, policier Sayo qui déjà perdu la vie pendant. Et commandement et monsieur Nobile Rameau que population haïtienne sans doute qui ont une confiance parce que yo connaît ça des faits déjà dans passager dans DCPJ question politique on dans pays pour tension à bouler entre conseil présidentiel et avec premier ministre Gary Conille dans sorti premier ministre Gary Conille pour tal Washington pour tal discuter pour tal chercher Kishoy et puis pendant le retourner il bail détail sous ensemble de ça que je lui parler de banque, il parlait de bid qui pratiquement mettait une enveloppe à 40 millions de dollars disponibles pour aider Haïti dans la situation difficile qu'elle trouvait là. Et ça côté divers autres monde qu'elle rencontrait, elle parlait des ministres affaires étrangères paysans qui pratiquement étaient accompagnés dans la délégation, qui pratiquement étaient quittés dans la délégation, quittés et à régler de l'autre bagaille, surtout qui concernait diplomatie paysan, la situation qui pratiquement a pas plongé les jours dans la situation très difficile et la communauté internationale a montré qu'elle parait pour aider résoudre le problème. Non? Et premier ministre en fait quoi? L'autre contingent qui pratiquement pral gagner pour que des plotons les rejoignent, policiers kenyans qui sont dans le pays, eh bien, ils n'ont pas temps pour venir dans le pays pour aider le peuple haïtien sorti dans une situation très difficile. Et on a rappelé que premier ministre Gary Conille déclaré clair, c'est force police nationale d'Haïti avec l'armée d'Haïti qui pral gagner principale mission pour bataille contre gagne en dedans pays. Et le fait quoi? Il n'y a pas arrêter nos perpétuels demandes avec bandi yo pour déposer les armes, pour respecter l'autorité de l'État. Eh bien, c'est l'État qui pral permettre que yo respecter l'autorité que yo gagne. Plus loin, gagne des avions militaires américaines qui étaient descendus sur Tamak, aéroport international Toussaint-Louverture, pendant le week-end, qui venaient avec des nouveaux blindés qui pourraient accompagner et autorités policières dans le cadre de la mission que vous gagnez pour garantir la sécurité. La population civile qui connaît des situations extrêmement difficiles, presque chaque jour qui ne connaît à qui s'en doit adresser par rapport avec ensemble des exactions terreur, sans parler que bandits ont abîmé en dedans pays. La situation est en mieux. Des événements, et n'a dit bien l'occasion qui marque toi l'année assassinat président Jovenel Moïse, non? Gagné et anti conseil présidentiel yo et notre collé avec la primature qui organisé une messe de requiem dans mémoire et feu président Jovenel Moïse dans villa d'accueil qui trouvait dans Musée Delma 60 dans occasion gagné
et actuel président conseil qui c'est Edgar Leblanc fils qui lui-même est parlé dans occasion et qui encore montré que yo même à travers conseil présidentiel là yo prend de disposition pour permettre que la justice mette en branle, la justice prend de disposition pour yo river et ben justice avec la famille président Jovenel Moïse, même Jean tout gain Jovenel Moïse qui c'est premier petit garçon Jovenel Moïse mais qui part avec Martine Moïse, monsieur qui parlait non vidéo pré-enregistré et il y a encore à demander justice pour papal. Il pas suspend et attire et longe droite sous monde que yo connaît jodi qui fait partie oligarque corrompu qui fait partie san relé et classe politique traditionnelle haïtienne et jodi de l'autre monde encore notre diaspora la communauté occidentale de monde en droits humains et dans différents secteurs différents groupes qui était campé ten face qui était dit que si yo pas voyer Jovenel Moïse aller ya onriwo c'est pour eux même yo était clairement dit que c'est Jovenel qui conseillant, c'est Jovenel qui c'est ennemi numéro un, pays d'Haïti, c'est Jovenel qui ça, jusqu'à ce que tu même présenté Jovenel Moïse comme diable et comme capable de Lucifer haïtien à la période là. T'es que André Michel qui était tellement acheté quatre à moi, je suis metté, je suis ramassé et jusqu'à ce que tu même encouragé jeunesse, encouragé peuple haïtien, fait violence, il a demandé au rester des barricades parce que barricade c'est avenir. Je dis là, ne qui de qu'on a critiqué Jovenel Moïse pour pas bon yo, parce que te dit Jovenel Moïse dans tout ça pas bon, mais je dis à c'est eux même, après assassinat Jovenel, qui a coupé raché dans Ariel Henry, et qui kounya la cap coupé raché dans Gary Kony, et cap coupé raché tout dans conseil présidentiel yo. Et c'est eux même encore là tout, cap arrangé yo, cap paré là, pour que les pral gagne l'élection, par contre, qui l'a fait, par contre, qui est-ce qu'a fait, par contre, c'est qui l'a fait, mais pour yo prendre pouvoir, pour yo enterrer question assassinat. Président Jovenel Moïse. En même temps, nous attendons et intervention et Edgar Leblanc fils, président conseil dans lui-même, qui te prend la parole dans l'occasion, qui ça le dit? Nous pourrons attendre et en même temps, tout, moi avec des Ivenes, comme d'habitude, n'a fait échange ensemble avec nous pour nous regarder comment nous sommes capables et des amis comprendre plus bien question ça. Désolé, papa, je vous en frère. Bon, l'important de la situation pour nous pratiquement continuer notre combat et ensemble de monde qui demande justice pour Jovenel Moïse parce que c'est un bagaille normal, un président de la République pas qu'à venir pour assassiner pour ça et puis qu'on a quitté ça passer comme une lettre à la poste. Et il faut que nous ajoutions tout, dans ce type, premier ministre Gary Kony, lui a arrangé la situation et pour rendre que si là, qu'il y a une diaspora, il y a une opportunité, question passeport qui te paraît très difficile et à travers la diplomatie haïtienne qui gagne eux-mêmes et agence PAYO qui parle de bail haïtien qui déroule au passeport, eh bien, premier ministre Gary Kony et demandé avec ministre Affaires étrangères qui pratique des responsabilités dans ça et lui-même tout comme ministre intérieur à collectivité territoriale qui a des responsabilités qui a des travaux étroits qu'il fait avec question immigration dans le pays vous permettre que si là aucune diaspora qui c'est haïtien déposer passeport pour qu'à jeune et plus rapide et jeune plus bien et si là qui pas à le déposer passeport pour y aller déposer pour jeune avec facilité dans le travail qui ou pas pour faire dans ce qui a venir les situations c'est un problème on en venir avec Edgar Leblanc fils humblement avec un profond sentiment de tristesse mêlé d'angoisse devant la mémoire du feu président Jovenel Moïse, assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 dans sa résidence privée à Pèlerin 5 dans la commune de Pétionville. À l'occasion du 3e anniversaire de cet acte barbare exécuté par un commando de mercenaires haïtiens et étrangers, nous sommes réunis pour nous recueillir et réfléchir sur les conséquences de ce tragique assassinat. Je vous invite, autorités en charge des institutions de l'État haïtien, à prendre toute la mesure de ce drame odieux. J'invite la nation haïtienne tout entière à honorer la mémoire du feu chef d'État Jovenel Moïse, 58e président de la République. Son assassinat est une de ces tragédies que le pays ne devrait plus revivre. Les hommes et les femmes politiques, toutes tendances confondues, la nation entière, doivent apprendre à s'accepter, s'unir, vivre ensemble par-delà leurs différences, pour que plus jamais le pays ne soit exposé à pareille ignominie.
Tous les assassins et complices de cet assassinat doivent être identifiés, traduits en justice et sévèrement punis. Est-ce que là, les que le président dit tout assassin Jovenel doit être identifié, doit être traduit et puni. Est-ce que aux alentours, il y a quelques assassins qui sont aux alentours? Est-ce que aux alentours de pouvoir conseil, hein? Ou dis-moi, est-ce que aux alentours de gouvernement des Ivenes, ils ont mis en tête, est-ce que pas un assassin qui l'a, qui n'a mis en tête, est-ce que pas un assassin qui n'a mis en tête, qui l'a Ariel, est-ce que pas un assassin qui l'a avec conseil, ou bien le gouvernement qui l'a? Marron, les noms qui sont posés, puisque le président conseil a dit qu'il faut qu'il identifie assassin, mais qu'on y a un garde, non, et rapport final, juge Walter et Voltaire, lui-même, il était dehors, qui indexé ensemble de monde, pour aller juger devant le tribunal criminel, est-ce que ensemble de monde ça yo, est-ce qui ça la justice fait de yo, qui ça dit de yo, quel que soit le ancien première dame nan, quel que soit le ancien PM Claude Joseph, quel que soit le ancien DG Léon Charles, et vous me citez ça seulement, est-ce que, oui, arrestation Badjo, parce que, pas oublier là, Badjo, bon, pas qu'il y a qui connaît qui côté Badjo, est-ce que Badjo est des CPJ, est-ce qu'il est en Haïti, est-ce qui côté lié, pas qu'il y a qui côté lié. Et je dis, hein, ou ka wè que la justice américaine, puisque dossier assassinat président Jovenel Moïse, non, la traité sous deux terrains, hein, la traité sous deux terrains justiciables, elle dit deux terrains judiciaires, vous me direz habito. Elle veut dire que la traité sous terrain et justice haïtienne, non, bien que je dis, hein, là, Jean-Pierre d'Haïtien, là, ça a été tant que ce qui est sur la justice haïtienne, ça a enterré. Baga ça a enterré bien des années. Et bon, la traité sous terrain justice américaine, non. Bon, c'est lui-même. Nous avons dit que l'équipe de Zuma va avancer parce que déjà, il y a 6 condamnés et dans le cas dossier ça aux États-Unis. Mais est-ce que le fait que c'est la justice américaine qui va avancer sérieusement dans le cas dossier ça, est-ce que le papa, ouais, la justice haïtienne? Pas oublier, ancien première dame, non, t'es toujours demandé au tribunal pénal international. Puisqu'elle te croit que il pas de confiance, elle pas croit dans la justice haïtienne, non. Et me songeait que ancien première dame Martin Moïse, il t'a dit que, hey, attendez bien, en pile dans le monde qui impliqué, mais qui t'a impliqué dans touye Maril, il essaie de protéger par pouvoir à l'époque, Ariel Henry était au pouvoir. C'est bien. À l'époque, Ariel Henry était au pouvoir. Est-ce que je dis, Ariel pas là, est-ce que l'équipe qui l'a eu, eh bien, non, moun qui était, selon ancienne première dame, non, qui t'a impliqué dans tuer Maril, est-ce que c'est de protéger par conseil présidentiel, non? Est-ce que c'est de protéger par gouvernement Kony, non? Parce que, pas qu'on est exactement. Mais Kounia, ça vous nous dit, non? Et qui garantit pour aller gagner? Avec ses 49e président ou dis-moi présidente d'Haïti. Quel que soit l'équipe qu'il a, Andy Kony comme premier ministre, conseiller, quel que soit pendant 19 mois, il a fait élection, c'est bien. Il est arrivé et peuple arrivé choisir un monde pour venir diriger le palais national qui garantit que nous avons gagné, soit comme président ou comme présidente. Que il va pas assassiner. À moins que Kounia ou cap ou pral saisi ouais que un monde qui vient président pays d'Haïti, mais président pays d'Haïti, c'est de étranger cabal sécurité. C'est agent FBI, c'est Blanche Vette et Paul Envert, Cheve Kalalou qui pral bal sécurité. Parce que il pral dit ne pas croire dans bonne nek haïtien ça yo, ban mettre de étranger sécurisé nous. Ou ka saisi ouais et résidence officielle président mais président là li pral en dans ambassade américaine. Ou pas étonné ça yo. Pas étonné ça yo. Et si ça arrive fait, n'a songé moins ici la des Ivenes c'est dit non ça. Et pas aucune garantie sur ça des Ivenes. Bon, dans la situation qui vient là. Ancienne première dame nan, malheureusement nan ordonnance qui te rend nan. Yo te voye parmi moun ki tap kal gen pou tal passe devant juge criminel, devant tribunal criminel, pardon, et pou yo te tande. A partir de ça, on nous dit que dossier a tout rete campé, suite avec problème qui gen en dedans pays. Madame Martine Moïse son victime et témoin oculaire parce que nan moment assassinat, il était présent, li pratiquement ta kap gen quelques détails qui ta kap bay avec la justice haïtienne, mais malheureusement, problème confiance qu'il pas fait avec justice haïtienne nan. Et faut que nous rappelons tout. Ancien président Jovenel Moïse, t'es rappelé, t'es gagné plus passé une 50aine de juges
et corrompu qui ont été fait nommer dans appareil justice là. Est-ce que vous avez pensé et ça t'a fait partie des éléments t'a fait Martine Moïse, madame ancien président Jovenel Moïse pas fait confiance avec la justice. Est-ce qu'on y a tout nous cap quoi gagner une justice qui pral vinn fait vraiment vrai pour président République là et c'est dans forcer nous monsieur dame qui dans conseil président conseil présidentiel transition entendu pour parler des questions assassinat ou après divers partisans et sympathisants et Jovenel Moïse yo te a montré que était très sceptique yo te montré que était grand pile craintif yo te grand pile la pérèse pour ce pour moun sa yo pas vinn gâcher question procès qui cap rendre justice Jovenel Moïse en tant que fait parce que pas jamais décider parler de lui yo même. OK, mais si nan moment que y a commémoré journée assassinat président République là et c'est yo même qui fait une activité non ta dit qui un petit peu officiel ou bien est-ce que l'officiel pas ka dire l'officiel mais côté le fait temps il fait en villa d'accueil c'est une activité sans doute qui était officielle côté divers conseillers présidentiels yo les premiers ministres en fonction qui pas gain légitimité populaire parce que monsieur dame ça qui dans conseil présidentiel transition c'est eux même qui voté premier ministre parce que premier ministre était doit passer dans temps normal c'était la présidence élue il t'a passé devant le parlement il pas franchi étape ça mais quand même yo là c'est eux même qui a dirigé yo essaie donc aller dans ça comme gars connu dans zone pale chaque fois qu'il parlait il parlait pour rétablir sécurité quartier en quartier ville en ville et pour permettre que sécurité rétablie dans pays et permettre que la justice les remembre. Ça t'a de faire comprendre que yo pral bataille après mesque qui aime ça qui organisé yo pral bataille pour justice li veut faire pour Jovenel Moïse questionner faut yo identifier ensemble assassin qui de près de loin impliqué dans crime là selon dit Edgar Leblanc-Fils est-ce que pas une hypocrisie dans ça est-ce que c'est moins avec qui pral dit Edgar Leblanc-Fils mais qui est qui était dans assassinat pour valeur politique que Edgar Leblanc-Fils gagne. La gainti vérité sans pas corriger conseil présidentiel. Gè bagay ke la konnen. S'il veut rendre justice ou bien s'il veut la justice pendant le président dans conseil présidentiel transition, veut la justice, rendre justice avec famille Jovenel Moïse. Li konnen ki jan, li konnen ki sa ke k'ap di, li konnen pa ki sa ke k'ap pense. Elle konnen si gen nan entourage li ki te implike nan assassinat président Jovenel Moïse, c'est pas moi qui pral di, mais X ou bien Y te implike là-dedans. Ariel Henry en pile monde te connaît que monsieur t'est épinglé dans question rapport ça mais t'est exigé juste instruction à l'tendel dans biwol tout ça c'est des ambiguïtés qui permet au moins que monde croit dans procédure judiciaire qu'a fait dans dossier assassinat président républicain Jovenel Moïse et dans cas des États-Unis d'Amérique où bagala avancé à grand pas qui dernière fois qu'il gagne rapport sous Joseph Félix Badiou qui dernière fois qu'il gagne rapport sous Maki que ça qui a été arrêté, il a fait quoi qui était allé dans réunion avec CTO. OK? Combien de fois qu'on entendait, on est tant que Dimitri Ra qui sauvé dans prison, ou t'a cap dit que si là ou qui vient là, ouais c'est pour bagaille. Ça paraît. Combien de fois qu'on entendait, messieurs dames qui dans conseil présidentiel transition hein, ou bien le gouvernement par biais Gaïkoni parler des questions évasion qui était faite dans prison et côté gain divers prisonniers qui était lié avec assassinat ancien président de la République là qui dans la rue je tiens. Pas vraiment entendez, moi ça fait que me très sceptique, me très prudent et pour me t'a dit dans ça qui a décrit là, dans ça qui a dit là, c'est des batailles qu'a fait pour permettre que Jovenel Moïse lui vienne justice. Vienne mettre sous question l'argent que vous tendez yon nan moun qui est en prison aux États-Unis, t'a de bail avec famille présidentielle. Le parler de famille présidentielle, c'est Martine Moïse et puis Jovenel Moïse et l'argent qui pral bail Martine fait quoi c'est l'argent que il était dépensé. Soit à l'hôpital ou bien avec sécurité. Mais après, même de massa tout, si vous que l'État haïtien te prend en charge, Martine Moïse, l'agence a pour que ça baille. C'est des questions que nous devons poser pour nous. Est-ce que justice Jovenel Moïse, la clève qui est pour Jean Pile dans nous souhaiter, mais même quoi, nous devons continuer à observer, nous devons continuer à garder, tant pour Jean, autorité qui n'a tête payé en jeudi, il y a pour les devoirs pour permettre que Jovenel Moïse, joue une justice pour tracer un exemple, même pas de la dirigeant pour parler victime comme ça, toutes les personnes. Toujours en avancé avec Edgar Leblanc-Fils. Bon, puni. Si feu le président Moïse et sa famille n'obtiennent justice, quel autre citoyen lambda, quel ministre, premier ministre ou même président de la République sera à l'abri d'une pareille menace? Personne. Vraiment personne. Il revient donc au Conseil présidentiel de transition, à l'administration du premier ministre Gary Conning de tout mettre en œuvre pour que justice leur soit rendue. Il importe que tous les moyens nécessaires soient accordés
au juge en charge du dossier, au commissaire du gouvernement, pour qu'en toute indépendance, l'affaire soit poursuivie, conclue conformément aux procédures, conformément à la loi. Mesdames, Messieurs, l'assassinat du président Moïse a davantage amplifié la crise politique que confronte le pays depuis plus de 5 ans. Suite à cet acte immonde, le pays a expérimenté la violence sous toutes ses formes. Il en est résulté une banalisation de la vie avec la multiplication des actions des gangs armés contre le paisible citoyen, innocente victime du dépérissement de l'État dans ses fonctions régaliennes de protection, de sécurité pour chaque Haïtien, chaque citoyen, chaque citoyenne, partout où il, elle peut se trouver sur le territoire national. L'administration du Premier ministre Gary Conille, sous la présidence du Conseil de transition, se doit de rétablir l'autorité de l'État, redonner à chaque citoyen, chaque citoyenne, comme aux étrangers qui nous visiteront, l'exercice plein et entier de son droit de vivre en toute quiétude, de circuler librement partout à travers le pays et d'aspirer au lendemain ensoleillé de la très chère Haïti de nos rêves. Mesdames, Messieurs, en mon nom propre, au nom du Conseil présidentiel de transition, au nom du peuple haïtien, je m'incline une fois encore devant la mémoire de ce chef d'État disparu dans des conditions atroces, non encore élucidées, en m'engageant à faire avancer le dossier du procès de son assassinat afin que triomphe la justice pour que la nation haïtienne soit libérée de ce fardeau ignoble qu'elle porte sans le mériter. Je profite, en terminant mes propos en la circonstance, pour saluer les membres de la famille du feu président qui n'ont pas pu cette année aller lui rendre hommage et se recueillir sur son mausolée. Qu'ils retrouvent en eux-mêmes et entre la paix, dans l'harmonie et la réconciliation, pour le repos éternel de l'âme du défunt. Bakone si désir pour nan reste intervention be allocution Edgar Leblanc fils non. Nous avons fait de mention que qui attire attention et m'ba ses amis internet yo m'gal fait comprendre ça très bien. Alors si ça pas de poté nous pas ba attention avec moi-même ba attention avec eux-mêmes. Moi désir Venez. Ouais monsieur dit clair. L'administration connie sous la présidence du conseil présidentiel, mais du conseil présidentiel. Il rappelait moun yo que conseil présidentiel li en les têtes gouvernement. Il dit que c'est conseil là à gouvernement koni là que pour yo travaille ensemble pour rétablir sécurité la paix dans pays et permettre moun yo capable circuler comme ça doit, fonctionner comme ça doit. Et pas oublier, dans la mise en contexte à Désir Venez, nous avons regardé à travers plusieurs médias que nous avons fait crédit. Ils ont montré que vraiment, que question de déplacement qu'on a pour aller aux États-Unis, concernant de façon formelle, ou dis-moi ce que de façon administrative, les pas informés de déplacement qu'on a. Bien que les qu'on a retournés. Non, je n'ai que dimanche, alors samedi 6 juillet, nous avons montré que, bon côté la primature, il a fait travail à temps pour être écrit, conseil, alors, on dit, et service communication, mais administration conseil, la présidence, et bien que le con était capable de gagner de retard, qui était capable d'exister sur le plan administratif, après, il était dit que, l'été tient à ce que l'écrit chaque conseiller séparément via WhatsApp. Et ouais, jusqu'à présent, il y a des acteurs qui persistent et signent, qui montrent que, pas de question, pas de question que la primature t'a informé la présidence avant, et elle l'a déplacé. Non.
Et après, les gens font rappel avec PM Kouni pour dire attention. Et attention, c'est pas au même qui a la présidence dans main. Ou c'est une tête exécutif là. Mais en l'état tout gain conseil présidentiel yo. Bien que c'était une imposition à bien dire. C'était une imposition selon les dire que c'est imposé yo Kouni, mais pas oublier pendant que imposé Kouni là tout bon, c'est imposé tout conseil tout d'ailleurs et conseil là pas légitime. C'est CARICOM, c'est et la communauté occidentale qui impose nous conseiller qui là. Mais en termes de délégation pouvoir, conseiller yo, yo en les têtes gars Kouni. Mais ça clair pour tout le monde. En termes de délégation pouvoir, dans deux têtes exécutives là, conseiller présidentiel yo, malgré divergences qui est dans mitan yo, yo en les têtes gars Kouni. Mais ça clair. Mais Kounia, c'est bon, j'ai qui est-ce qui est en l'air tête, qui est-ce qui est en l'air tête, qui est-ce qui est en bas, qui est-ce qui est en mi-temps. Parce que, yo là, yo commencé à toucher l'argent pays, hein. Yo commencé à jouer ensemble de privilèges que yo doit jouer. OK? Pile sécurité, pile machine, et frère gaz, paie 10e, d'ailleurs. Récemment là, PM n'a sorti avec ensemble de délégation là, il dit, moun yo qui paie 10e, et conseil qui est plus que 2 mois là, yo qui a commencé à toucher. Qui donc, c'est déjà au frère de la princesse, il commence à faire tout ça. Yo. Deuxième résidence, puis le bagage ça. Yo. Et monsieur Siate, je ne sais pas si il fait ça, les déclarations patrimoine. Pour yo ta dit, mais à qui ça est entré, et le pas chef encore, mais avec qui ça a sorti. Mais rete gade te de boue, le pas chef encore te de cause. Mais là, nous avons pays qui a souffri. Nous avons pays qui a effondré. Nous avons pays qui a mouri. Et dans tout niveau, tout secteur, toute couche, peut être effondré. Donc, je dis en là, je pense que, et je crois que, pour une question de la primature et la présidence, c'est une question de Haïti d'abord. Jacques Msonje, PM Konite Dil, l'a fait tout ça dans le pouvoir pour que la transition soit capable de réussir. Mais réussir, c'est, faut que ça n'y ait une collaboration, une coordination qui vous dégager entre la primature et la présidence, les ministères, pour permettre que yo bay résultat et exécuter. Ça a gagné écrit dans l'accord et 3 avril que tu as signé des événements. Bon, Blaise, a toujours gagné indifférence, incohérence, bon côté et conseiller présidentiel, yo, et bon côté Gary Kouni comme le premier ministre qui joue un bénéfice, qui joue un et Santa Cati grâce conseiller présidentiel, yo, c'est yo qui vote et Gary Kouni. Mais est-ce que c'est avec volonté que vous votez Gary Kouni? Pas en mesure pour me dire oui ou non, mais nous tous n'ap d'accord, des influences étrangères dans la question vote à l'unanimité parce que et Gary Kouni pour venir premier ministre en dedans pays. Est-ce que le problème pays c'est là allié? Les premiers ministres ont sorti, faut qu'il fait la présidence qu'on est, pas quoi c'est là qu'il est. Faut que nous suspendons, je vais être coquin, je vais être mesdames, faut que suspendons fait dilatoire dans la question ça. Est-ce que l'État doué, yon bataille, que est-ce que c'est la primature qui doit gagner plus de pouvoir, ou bien c'est la présidence qui doit gagner plus de pouvoir? Même pas là. Parce que je veux dire, monsieur Damio, dans tous les détails de pouvoir, quel était l'exécutif, pratiquement yon gagne responsabilité pour résoudre le problème qui gagne là en d'un pays. Ou un pays qui gagne presque une dizaine d'années pour ne pas faire élection là-dedans, pour renouveler les personnels politiques, ou un pays qui a effondré dans le à cause tissu qui décolle, qui permet bandits acheter tout pays en otage, je veux dire, c'est chita sous table pour négocier. Est-ce que ce cigare conien lui fait tort avec la République ou bien il va faire du bien avec la République? C'est là où Cap Dim, Gary Kouni était sorti, l'ital planifié négatif pour pays, laisse à moi-même ma privée comprendre que sorti Gary Kouni était mal fait. Mais toutefois, nous-mêmes, nous d'accord, faut gagner harmonisation entre la primature et la présidence qui permet que nous sortions dans sa pénière. Parce que yo bon accord que yo signé ensemble, que yo proposé avec le gouvernement, qui c'est accord 3 avril 2024. Même que le conseiller présidentiel yo cap mandé dans niveau pa yo pour gagner qu'on respecte accord ça, yo même yo violé déjà. Yo pas chita dans accord déjà. Parce que si yo te chita dans accord, ça qui vient par majorité 5 sur 7 là, il pas t'a exister. Et si vous respectez à quoi tout, dans ce que vous faites
yo dispatché le ministère, li pat ap rive comme ça, t'ap bon manière, t'ap bon façon que t'ap fèl. Depuis le premier jour, yo désigné Gary Conille comme le président du conseil, yo ki t'ap pa nan akò encore parce que c'est pas élection qui t'est faite. Yo te dit c'est élection qui t'est dû faite. Est-ce que président Gary Conille et Edgar Lebanfis pardon, li rive comprendre et je veux que monsieur Abjou avec là, c'est tout pour l'attaque. OK? Et même Jean tout Gary Conille lui-même, il pas venir paraître là. Songez, Gary Conille a bouché, il dit qu'elle pas venir dans l'administration publique là encore, dans vidéo qu'elle t'a gagné. Après, il t'a fini quitter et primatial, elle était sous Michel Joseph Matéli. Retourner là, il retourner avec un pile orgueil qu'elle retourner et pour satisfaire orgueil. Il y a précipitation, c'est permettre que population jeune, y a petit ouf de soulagement qu'il y a avec question insécurité. Elle montrer on en sortil. Sorti il y a pas en sorti nul, pour paquet de bagages qui a venu. Moi même vraiment souhaité que M. Damio, si bon petit discordance entre yo, yo cherche à aligner, yo cherche à rendre les choses pratiquement retourner dans normal yo, pour permettre que des têtes pouvoir dans le pays, yo capable de faire travail comme ça doit, permettre que la police vienne fort, permettre que l'armée vienne fort, et capable rendre que madame Sarah, capable sortir tout partout à travers ville province pour rentrer dans la capitale là, pour capable rentrer avec facilité, pour pas qu'il poste de péage qui a payé. C'est ça que vous besoin résoudre la situation. M'a regardé en bas chez la Desivenes comme information, gagnent bon bandi vite l'homme innocent, quelqu'un matin de tout ça. Vite l'homme innocent depuis après bon m'a dit depuis dernière fois que m'était capable de vite l'homme innocent, c'est les que c'est dans vidéo que journaliste nous a fait interview avec la Kaili en l'en peigne torsel, mais depuis après les samba quoi mon était vraiment j'aime personnellement parce que j'ai désir si même rappeler qui l'a été tout ça m'a quoi, mais depuis les samba j'ai même été tout ça à moins que si mon voyager et il y a pour lui dans les produits billboard aux États-Unis, il y a un billboard qui est mis aux États-Unis. Eh bien, m'apprendre que gen l'église Université Unica qui est même passé en bas couffle modifié samedi qui était 6 juillet 2024 l'an dans après-midi et dans zone boulevard 15 octobre dans tabac 43 zone ça que nous connaissons très bien ces bandits et vite l'homme innocent qui est même a dirigé crasse barrière. OK, ça veut dire vite l'homme innocent, c'est le chef gang Baskaze Bagayan. C'est monsieur qui nous apprend avec équipe client qui a piqué difé dans l'église Université Unica qui trouvé dans boulevard 15 octobre tabac 43 et zone ça que nous connaissons, c'est vite l'homme qui dit qui contrôle. À travers une petite vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux là, mais mon capable en pile la fumée qui a sorti pas trop loin l'église là et selon habitant dans bloc ça, il fait qu'on est c'est équipe vite l'homme innocent qui les mêmes t'a posé action ça. Et n'a dit que selon ça on dit l'église là c'est un bâtiment l'église à qui est en construction en plein chantier, ça veut dire que depuis plusieurs années là il a regardé comment qu'il est capable mettre l'église à camper et permettre que tout Université Unica capable fonctionner tout ça yo et n'a prendre que bandi yo mettez difé n'éviter l'homme yo et yo pied espace yo pied mais pas oublier depuis presque une année là et mais ensemble de activités qui qu'on a fait dans périmètre l'église et Unica ou dimanche que université à tout ça yo presque pas fonctionner parce que nous connaît pendant presque plus que une année là bandi bascrasé ba vite l'homme innocent dirigé nèg yo prend tout bloc ça en otage, ça veut dire c'est de l'espace qui est abandonné et nèg yo profiter de abandon moun yo pour yo commettre de actions voler piller faire ensemble de actions malhonnêtes. Et bien c'est ça moun yo faire comprendre et dans ce sens ça yo en quoi mandé avec autorité concernée yo t'as pris s'il plaît au lieu qui a fait dilatoire au lieu que y a goumé entre yo au lieu que y a fait partage pile bagage entre yo. Je dis, hein, ça qui est plus important, c'est permettre que yo rive tabli sécurité en un pays. Hein. Je dis, hein, si ça rete que bandi papi en bawel, si ça rete que bandi papiye, bandi pa boule, bandi pa fait tout ce qu'on est de malen adan yon bawel. Parce que je dis, hein, nek yo pren pays ça, c'est au kap gen plisye l'année là, c'est au contrôler pays ça à l'aime du paysan elle dit capitale haïtienne et zone qui environnent lui que donc je dis là les que n'a essayé garder observer volonté est-ce que volonté dit ça mon a dit ça PM qu'on y a dit ça conseil présidentiel a dit hein jusqu'à présent n'a considéré dans phase parole dialogue n'a considéré dans phase dialogue tout autant que c'est pas à terre, yo commencé
mettez pied à terre, nan mené bon gens opération avec rivé nouveau blindé sa yo qui peut être vraiment servi nan bataille contre insécurité, nan dénicher, démanteler et neutraliser bandi armé yo. Jusqu'à présent, quel que soit le gars connu, quel que soit le conseil présidentiel yo, pour moi-même, c'est pas les mettre là, c'est pas les empêcher à faire pour que j'aime vraiment une volonté pour y résoudre ça comme problème des Ivenes. Puis pour question que nous avons posée, et la situation, M. Krasi Barrière qui sous contrôle vite l'homme innocent, qui nous songe qui cite non directeur sortant police nationale d'Haïti, nous voulons parler de France LB, qu'elle te conserve avec, qui permet qu'elle devienne directeur général, parler de divers autres acteurs politiques, tout, André Michel, qui ça qui n'est pas gagné avec l'école, qui ça n'est pas gagné avec l'église, et l'église avec l'école là tout, qui j'en nous entend, pour épargner tête nous en bas fléau insécurité qui vient là. Bay de l'autre formation, de l'autre éducation avec Timoun yo, pour arriver à comprendre Timoun jodi, grand monde demain, Timoun jodi, citoyen demain. Et en pile fois, dans le quartier côté, nek sa ou kap évolue avec Zam, non? Yo vin rendre que c'est des leaders du quartier, les personnes qui kap rendre que la situation vient extrêmement difficile pour moun kap vivre dans la communauté, parce que Timoun yo qui tout petit, qui apprend cerveau fraîche, il y a après toute qualité bagage, il y a quatre pensées chef gang qui vrai l'idée à tout bon parce que ensemble des monde qui t'a doué kembe monopole leadership dans la communauté, il y a pas le rôle, il y a vraiment, il y a quitté n'importe bagage à faire. Pour n'y a en questionner agent FBI, gouvernement américain qui mettait des millions de dollars pour permettre n'importe monde qui t'a dit au qui côté vite l'homme innocent, il y a arrêté vite pour venir arrêter vite l'homme. Mettez des billboards dans la rue, dans airport. Tout côté mon apprêté pour ok, et pour éviter l'homme, ça veut dire quoi, c'est mon côté même pour faire contact avec eux pour dire m'inviter l'homme. CNN vient là, vient faire interview avec vite l'homme innocent, ouais, ça passait comme une lettre à la poste. Et cependant, les journalistes haïtiens qui débarquent dans quelques zones, dans le ghetto, faire interview avec quelques bandits, eh bien, vous songez ça qui passait dans le salon diplomatique. Et aéroport international de Saint-Louverture, dans le retour, Gary Conny, la police, dans les CFKP avec journalistes, même traiter journalistes sur des bandits, ou bien à faire couverture pour bandits. C'est des situations qui paraissent extrêmement difficiles. Nous trouvons nos pays qui sont très complexes. Ça plus attaqué, plus subi dans le dernier moment, c'est l'école, l'hôpital, l'église. Et ensemble, espace ça, c'est des espaces qu'on a construit, nous dans la communauté. Malheureusement, ou pas écrit un problème, ça va le résoudre, parce que l'autorité qui l'a eu, pas entendre pour résoudre le problème. Au lieu de 4 blindés, c'est plutôt 6 gros blindés, mais hauteur, qui rentrent dans le pays. Okay, pas dans la journée ailleurs. Pour venir faire face avec Zéfei, Zagoloa, Théorissio, mais Kounia, est-ce que déjà il y a des gens qui ont une formation adéquate pour manœuvrer ensemble matériel ça? De toute façon, en pile fois, pays ont fait don matériel yo, avec policiers qui rentrent dans le pays. Mais Kounia, est-ce que vous avez des formations adéquates? Est-ce que vous préparez vraiment? Pour pratiquement faire face. Est-ce que tu as l'air tout désir? Est-ce que qu'on service de maintenance que mettez tout? C'est ça important pile. Elle dit est-ce que bah matériel là c'est youn? Est-ce que il y a des professionnels qui pourraient permettre que les matériels ça prend panne ou bien à chaque temps nombre de temps, il doit faire service à deux. Est-ce que il y a tout ça qui parce que pas oublier et pas oublier en pile blend était là avant, pile des jeunes ça yo. En pile là yo content de yo prend panne d'ailleurs. Vous savez ça TV créé hein. Si policier ou pas de temps mettez quoi au dehors et gien pile là qui t'a oui. Les qui blindé arrivé prend panne avec yo là, yo obligé jeter quoi là pour moi c'est pas envahir yo dans crécier. Est-ce que blindé qui vini là yo soit petit blindé noir yo, soit un gros blindé qui vini là yo, est-ce que gagne un service et qui mettez maintenant ce qui pour là, qui pour inspecter blindé yo, qui pour ouais comme si et niveau de capacité yo, niveau de blindage yo, est-ce que comme si tout ça parce que li important. Sinon là, n'a aucun dans blindé maintenant, c'est ceux qui ben viennent nous porter les gamins yo. Oui, bon, nek ak zam yo, yo même yo sans pitié. C'est vi policier a vini pour ce. Policier a lip gan bandi a comme cible. C'est même jan tout bandi a prend policier a comme cible. Youn a tenté se, et c'est youn qui a atteint l'autre avant. Li vini dans une situation très difficile. C'est ça fait que nous même nous voter, ça qu'il y a avec question formation continue pour chaque policier yo. Surtout ça yo qui pital dans section de matériel engin lou yo. Parce que ça ou pas des machines ordinaires. Yo pas même gens avec une machine ordinaire qui on a conduit. Il y a ensemble des instructions qui t'a fait faites bon côté policier pour manœuvrer ensemble de matériel ça yo qui cap connaît et qui qualité
anje ke li genye, le on moun pratik pa 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 information pou manevye yo, sa l kap bote. Bref, mwen pense ke, ansanm avanse, nan kesyon materyel kap vini la ou Blaise Peterson, li bay espoi ke pratikman ka gon bagay ki vive fet. Pense nan tout tan avan yo, ou se de katon boui ke ou mwen Canada, pou nan boui ba nou la, Canada pou nan boui ba nou. Ou gen des experts ki di ou men ki kalite blende ke ou bezwen pou opération policière ou kapab fèt nan zon ki konstitue kom de guerilla urbain an dedan peyi an. Kote de group nèg ki aranje yo ki gen de fizi dason nan men yo ki a bout portant kap touye kelke swa moun ki vin nan perimèt yo. Malezon, le Canada se ansanm de katonbouyi. L'ajan ko achete plizièr milyard de dolar ki soti nan kes plizièr milyon de dolar ki soti pou ajwen nèg yo. Pase pour l'insécurité a li pratiquement vin en business pour cartouche vendre en dans pays a pour zam vendre dans pays a et pour matériel adéquat tout vendre avec la police li vin en business ou après kounye a en plus fois pays ça senti tellement confortable yo pas vendre la police encore yo fait la police cadeau yo pral faire comme là directement dans vendre balle dans vendre cartouche dans vendre zam avec bandi yo parce que toutefois gen blende yo fait cadeau avec la police. La police va sentir dans une dimension confortable pour l'attaquer bandi yo, cartouche à plus cartouche à tirer pour avoir plus de demande sur le marché. Je vais être capable avec pays d'Haïti, je vais être petit. C'est ça fait moun kap vin prend pouvoir en dedans pays en Blaise Peterson, yo besoin très intelligent. Yo besoin intelligent pour yo apprendre dans combat qui a mené pour résoudre problème insécurité qui en dedans pays. Yo pas pratiquement goumer avec gang qui a sa patrie tout simplement. Y a goumer avec communauté internationale là qui pratiquement c'est fournisseurs des munitions, fournisseurs de armes. Parce que là, en Haïti, il y a des armes qui ont participé dans la guerre pour les États-Unis et pour le Canada, qui n'ont pas bandit, qui côté au sorti, qui côté au passé, qui vient vous faire arriver là. Et pratiquement, il y a des causes qui ont besoin de tout et qui a expliqué. Il y a des armes que la police normalement saisit là, il n'y a pas servi avec eux. Il n'y a pas foutu qu'à servir avec eux. OK? Vous voulez que nous comprenions ça. Et qualité enjeu que ça capable de bien, là, continue à faire comme ça. C'est lui paraît très critique, lui paraît très sceptique et songe fusionnement ensemble des groupes armés dans le pays hein, qui est-ce qui te fait? C'est un représentant Nations Unies en dedans pays hein, qui était pratiquement venu qui était fusionné Genève en famille et allié. C'est une situation qui paraît très grave, qui est extrêmement critique et n'a posé peut-être une question, est-ce que n'a fini par résoudre le problème de sécurité que nous là? Si n'a fini avec comment que nous allons finir avec? Qui j'en nous pensait finir avec elle? Qui s'en qu'on doit déplacer comme pion nécessaire pour nous finir avec elle? Parce que moi-même, je suis vraiment perdu. Là, je vais essayer de chercher à comprendre la situation qui est là. Ensemble, autorité qui est dans le pays, qui met dans totalement irresponsabilité, qui sont confortable, surtout dans la classe politique, là, qui servit avec elle pour prendre le pouvoir, qui servit avec elle pour faire plus dans ce pouvoir, Blaise, il va paraître extrêmement difficile pour nous vraiment. Résoudre le problème, ce n'est pas une volonté populaire qui peut faire révolte à la situation. Gagné Formula Valas des Ivenes dans notre pour la presse qu'il mettait dehors. Et samedi 6 juillet, qui sa Formula Valas dans notre ça? Bon, regardez si je suis capable de partager avec les amis nous. Formula Valas, notre pour la presse 6 juillet 2024. J'en connais déjà avec logo, je mettais tablant, gagné pas de 4 mounes sous tablant. Alors 5 mounes parce que y a un dame avec 6 mounes sous Brali. Et qui ont travaillé la terre avec un sepet de bon côté, ça veut dire tout le monde sous table. C'est ça que vous dites. Famille Lavalas, salut tout haïtien qui t'a remé, ouais, une bonne transition. Sécurité, sécurité, sécurité. C'est première condition. Deuxième condition, chita dans la bataille contre la corruption. Lis notre famille Lavalas. Ni force politique, yo. Ni force économique yo, t'es d'accord pour faire une bonne transition qui coupe fâché à corruption. Les arrivés pour moun qui corrompi, suspend, empilé incompétence sous incompétence dans l'administration publique là. Poste dans l'État pas là pour vendre. Poste dans l'État pas là pour vendre. Aïe dit la mettre là, des histoires comme la mettre là, à la son poste. Par contre, c'est direction, qui direction va le chercher, ou bien si c'est 4 mai ou va le chercher. Ou pas poste mairie, comment? Mais quand tu es là? Ou pas les tiriviers? Ou pas poste les tiriviers? Ou pas poste magistrable? Non, eh bien, ou pas poste même? Vous tenez, eh bien, il y a 20 postes.
Ou pas, c'est pas parce que vous vendez, vous achetez même. Non, La valeur tout doké pour se vendre. Les doké, employé l'État qui compétent et qui honnête, c'est ça Haïti besoin. Parce que l'État, c'est by tout le monde bon service, c'est clair. L'État, wali, c'est by service. L'État, c'est un l'État serviteur. Il n'y a pas de gouvernement, Blaise. Oh, la valeur, c'est by ministre PTC. Et puis. Et mais, qui t'aime bien, non? Il n'y a pas de conseil présidentiel là. Oh, l'Estive Voltaire. Et puis ça vient expliquer mon avis à venir les citoyens. Qui t'aime venir? La valasse faire en 2004, il va faire ça encore non pas d'abord dans les pouvoirs tes pouvoirs en 2004, la valasse pouvoir pas encore non frère. OK. Mon qui pense au la valasse en 2004 et ouais là la valasse préparer faire erreur qui était fait en 2004 là-bas. Vas-y me dis nous ça. Et mais en avance pour nous dire. Famille la valasse profiter, féliciter. Ministre travaux publics à communication. Attendez bien, désir. Qui commençait à retirer Fatra dans Figi nous avec deux, trois tisos matériels qui étaient dans le ministère. A dit, vous voulez que Rosemont Bradel qui était passé soirée là, il soit là avec tout matériel, ou dit, mais si ma gonne écrasé ou bien à laver, ou ma gonne. Mais deux, trois tisos, matériel que ministre ingénieur Raphaël Osti, qui c'est nouveau ministre PTC, qui la valasse baïlan, mais la, comment, la nettoyer Fatka. Bien que moi, dans la rien plus capable de dire, il y a Magali Habitat, nettoyer Fatka, nettoyer la rien. Bon, Magali Habitat, bon, comme citoyen engagé, il a toujours décidé de nettoyer, d'ailleurs, les pas que ça va empêcher pour ne pas nettoyer. Et comme ancienne directrice SMCRS, tout, bon, il a toujours engagé, non nettoyer la rien, bon, bagonné. Mais quand tu fais une comme ça, Blaise, quand tu fais une comme pour la faire nettoyer, mon cher, pour mettre gaz. Il y a des questions à poser, frère. Bon, c'est mettre là. Si c'est besoin de piéger, mettre là. Bah, non, frère. Non, pas que vous me piégez, Blaise. Non, mais mettre là. Mais Magali, la presse parle ensemble avec. Lisa dit, est-ce que vous avez dit la presse? Magali, puis ça pour moi, c'est Fatka dans la guerre là. Parce que, comment, qui nous donne lui, qui c'est NE? Et bien, c'est même des BTC. Il y a des zones là que il n'y a pas qu'à arriver. Et qui Magali habite arrivé dans la zone Zaro. Eh bien, dire. Magali habite, c'est. Son femme là, il est femme là, ça veut dire que les connards est avoué, il a dit les connards avaient dit. Il contrôle là. Oui, ça avoué. Il a dit pas chiche tout. Il a dit pas chiche tout. Ça, par contre, les femmes. Magali Abita, c'est bon militant. Vraiment, c'est bon militant, il dit qu'il contrôle la terre avoué. Bon, bah, il dit qu'il contrôle la terre dans le sens négatif, non, mais comme si, et oui, il y a des gens comme si qui connaît la terre. Il y a des gens qui ont fait pile de bandes dans la économie. Magali Abita arrivé dans le bloc là, il y a Tandel et il a parlé avec eux, qui diffèrent de nègres là, et dans le bureau, il y a un carré, il y a un carré. Femme, c'est clair. Eh bien, selon la valance des Ivenes, il dit que ingénieur Raphaël Osti, c'est celle, moun, famille la valance recommandée. Non pouvoir jusqu'à présent. Mais vous avez l'Estive Voltaire comme conseiller, vous avez comment Raphaël Osti comme ministre. Bon, vous dites c'est le monde qui vous avez dans gouvernement, en tout cas. Comme vous disiez que ce pour vous comme vous avez pu renouveler et Mério, nous ne connaît. Et pour aider le conseil présidentiel avec le gouvernement et combattre la corruption, Famille Lavalas propose pour l'autorité de la population qui j'en nomination employé l'État a fait. Plus de transparence, moins de corruption. Pour transition, ça débouché sous bon élection, faut premièrement, de bon jeu sécurité, et deuxièmement, faut nous couper, fâcher, avec sanre les corruption depuis jeudi. M'a cité la valasse. Jérôme Medil, les affinités naturelles, yon sel yon faible, ensemble yon fort, ensemble, yon se la valasse. Moun ki signe en bas note ça, c'est comité exécutif. Famille Lavalas, non? Nous joignons Dr. Maryse Narcisse, ancienne candidate à la présidence. Nous joignons M. Joël Edouard Vob et agronome Anthony Dessous, Dr. Jean Myoto Julien. C'est Moun Sayo qui signe en bas note pour la presse pour Famille Lavalas qui dit que je dis en là, il n'y a pas qu'à vendre pour voir Nangode parce que. Li pas normal et la valasse dit que yon a coupé fâché dans question transition ça. En tout cas, est-ce que vraiment je dis en la yon a coupé fâché? Est-ce que je dis en la ça a passé? La valasse li même je dis a fait comprendre que question pour moun a dit que y a mette de moun qui peut-être pas kabay résultat
ou dit moins rien que gè corruption dans bois l'état la valas persuadé c'est moun qui capable c'est moun qui compétent c'est moun qui connaît qui pour mener bak transition parce que même quoi que notre transition coupé fâché mais n'a dit clairement que je dis hein c'est pas écrit note c'est pas dit qui va faire moun comprendre que ça a dit hein c'est lui même qui pral fait et les pral arriver fait mais tout moun a d'accord je dis hein que et quel que soit le conseil présidentiel qu'il a, quel que soit le gouvernement connu avec un ensemble de visages qu'il a donné, c'est des mouns qui étaient passés dans l'État, c'est des mouns peut-être qui fait partie classe politique traditionnelle ça, et qui jodi hein, qui responsable et qui à la base qui mettait pays dans ça les là des événements. Bon, lui pratiquement normal, famille Lavalas et Kounia y a mettre comme des avant-gardistes pour veiller, tant que j'en dis. Les important, les nécessaire chaque fois que vous plongez dans une situation, aucun qui théorie qui a été appliqué, donc c'est lui qui a appliqué face avec ou même qui fait partie regroupement ou bien qui fait partie gouvernement, là on est au moins qui vous fait prudent. Même souhaiter que monsieur dame la famille Lavalas soit plus explicite, soit plus clair, puis dire mais qui regroupement, mais qui groupe monde qui a liquidé et poste à pouvoir en dedans pays. Hein? Soit magistrat, délégué départemental, ça a livré aux directions générales. Faut que qui est-ce qui a fait pratique ça. Faut que c'est pas entendre pour dénoncer dans l'anonymat, c'est pas entendre pour dénoncer en cachette, pour paix, pour côté boué, sous dénonciation qu'il va faire, de quoi faire dénonciation à fondée. Eh bien, c'est venu à clair, dit, mais qui est-ce qui a vendu poste en dedans pays. Parce que toutefois, vous pratiquez ça, yo, nous tout le temps, ouais, qui ça qu'elle côté pour pays, nous tout, ouais, c'est catastrophe qu'elle tout le temps côté. Faut que nous éviter pour ne pas plonger nos perpétuels, redites nos perpétuels, et revivre des situations qui étaient connues déjà. Je veux dire, nous avons une insécurité. Tout le monde est d'accord. Les familles Lavalas, ils ne sont pas innocents dans ce qui est là. Parce que c'est depuis sous gouvernance. Et Jean-Bertrand Aristide, ils ont commencé à distribuer qui était la cause. Et en pile massacre qui était fait dans le pays, et diverses armes, ça a été continué. Tu as venu avec intervention. Le ministre a quitté, il a venu quatre fois dégénéré. Et même parce que, ensemble des bêtises que M. Damsa a été fait, pendant que tu as dirigé le pays, yo gen pour le voir, yo gen pour mission pour comment yo capable réduire l'argent permettre que corriger erreur qui ont été fait dans les passés parce que pays a les pratiquement pas capable. Si yo crier c'est parce que ouais dans dimanche que bagarre la vendre et li fait mal ou bien yo pas gen pour yo vendre, il y a l'autre monde qui gen cap vendre. Yo dénoncer. Li important pour population haïtienne là arranger yo pour acheter victoire dans chaque boîte qui a fait nomination. Gardez fi du monde qui est nommé. Dans l'installation, regardez qui est sur regardez qui modèle discours qui a porté. Laissez ça, si vous êtes d'accord que vous prenez fonction pour venir diriger, On ne sont pas d'accord. On est qui sont participés, qui chargent sans base, qui sont criminels, qui sont assassins notoires. Ils viennent là pour dire la vie diriger le pays. Et ça, chaque temps, ils font, nous quittons le passé. Eh bien, principale victime n'a pas besoin de l'autre monde, c'est nous-mêmes qui la pied parce que nous sommes d'accord. Nous faisons tout, vous me cédez d'autres gens, après le monde, t'as nous trouvons nos pays qui riches, mais ils rendent nous pauvres parce que nous quittons ces mêmes qui plongent même dans nous presque chaque jour. Nous avons un groupe de monde qui peut demander presque chaque jour. Pendant nous gagner. Au lieu que nous attendons pour nous développer ça, nous gagner comme qualité. Au lieu que nous développer ça, nous gagner comme faculté dans l'université. Qui peut au moins que le pays a sauté dans sa lia. Ce n'est pas écrit notre pour dénoncer, mais c'est agir à l'encontre de ça qui est négatif qui a fait là. Pour d'ailleurs, nous avons contrôle des ministères qui pratiquement clés. Il a fait changement dans le pays. Il a conseillé dans le conseil présidentiel de transition. C'est arranger pour nous qui ça qu'il a fait. C'est permettre que les gens qui nous ont dans le gouvernement, comme président, prennent des positions publiques pour empêcher ça qu'il a fait là. Parce que l'administration publique, là, il n'a pas de droit au marché. Il n'a pas de droit à la douane pour vendre aux enchères qu'il a fait là dans la situation. N'apprendre que les pour journée qui c'est dimanche 7 juillet 2024 là. Là. Et qui est sur kidnapping dans pas campé pas oublier me dit non ça mandé nèg yo changer métier déposer zame reconnaître autorité de l'état ça c'est dans bouche n'ap dit mais ça pas dans plan nèg yo et même l'autre nèg a dit yo prêt pour dialogue pas vrai parce que bah parole là toujours dit chien qui habite chez boisé a toujours boisé yeah chien qui habite chez boisé a toujours boisé et qu'un de vie que nèg yo t'ai déjà commencé à mener. Il n'y a pas pris le tout dans la mise, comme si. Non, il n'y a pas passé ça pour. Il y a déjà bien passé, bien viré, pile l'argent, vous comprenez? Après, plaisir, mon avec yo.
Les gars pral gè garanti que encore les pour ka kidnapping l'a jwenn 160 000 $ haïtien, l'a jwenn 10-15 000 $ américain. Yeah, les gars pral accepter comme si non. Il va pas tout dans misère crasse bien que ça l'a fait, il fait dans mal lui, mais ouais, clairement je dis, il pas pral accepter pour retourner dans sa peau. Et bien apprendre que pour jeune était dimanche 7 juillet là, gagné et deux cas kidnapping qui est fait dans zone, alors capitale haïtienne non, et zone qui environne le des Yvenes. D'apprendre que premier cas kidnapping en fait dans zone Avenue Christophe. Bon, le dit Avenue Christophe ou dans zone bas peu de choses comme si les bouts dit bas peu de choses ou pas trop loin village de Dieu ou pas trop loin et gravine si boisson. Ça veut dire que nous pas dit comme si ça fait la nous lié avec nous amis les bouts dit bas peu de choses Avenue Christophe ou pas trop loin bloc ça. Et en même temps tout notre deuxième cas kidnapping qui est révélé pour journée dimanche 7 juillet hein, c'est dans niveau la boule 12 bon Pétionville. Bon si on dit la boule 12 en laisse ça mon cas plus de groupe cap opérer, mais l'autre dit en laisse la boule 12 Pétionville ou t'as regardé équipe Timac kak bagay ça en tout cas pas Timac non et Vitelon pardon dit Timac kak tout ça et va là encore. Mais ces deux cas kidnapping ça yo pour journée et dimanche 7 juillet alors bien dit que la presse relayée à travers votre BF Info, que nous ne connaissons pas de l'autre cas encore qui fait qui répété. Eh bien, depuis 25 juin passé, eh bien, nous avons dit que, j'aime noter, officier kenyan débarqué, nèg ap descend et avion sous tarmac là avec drapeau nan mais ap danser. Wazi nèg pa konnen comment les danse la caillou, nèg ap virer derrière yo prend derrière yo ap virer drapeau. Bon nèg yo di va venir roumer avec bandi, nèg yo dit c'est comment c'est ambassade yo vinn surveiller, nèg yo dit c'est patrouille yo vinn faire alors que et ambassade gen sécurité déjà passé et patrouille m'a besoin nèg faire partout parce que nous déjà gen DCPR. DCPR c'est une entité dans la police là, c'est direction centrale police outière. Je pense que policier et outier nous yo et là pour faire patrouille. Bah quoi agent comment agent bagaille ça ou ta vin là a vin faire patrouille pour nous. Bien que nous apprenne dans journée cap lundi qui ta bon cap lundi cap 8 juillet hein. On apprend que si donné pas changé, ta dû gagne une conférence et conjointe tête ensemble qui ta dû bay entre la police nationale d'Haïti, en direction de la police nationale d'Haïti, avec délégation, chef délégation kenyan en Haïti. Andy DG Ramon Amil, avec chaîne commande de la police, nan, avec chef délégation kenyan en Haïti, qui t'a doué ben, en conférence tête ensemble, dans la journée qui t'a cap lundi 8 juillet 2024. Là, si rien pas changé. Mais Kounia, qui ça pour dit? Est-ce que, à travers la conférence, ça, y a vraiment clair avec peuple haïtien, pour y a peuple haïtien, mais qui ça qui c'est vrai, mais qui ça qui c'est vrai, mission ou bien responsabilité, ou dis-moi, est-ce que action, mission multinationale, soutien sécurité à Haïti? Parce que jusqu'à présent là, les Haïtiens ont perdu. Ils ont perdu de officier kenyan, premier groupe qui vient là. Ils ont perdu de premier groupe officier kenyan qui vient là. Ils ont vraiment perdu. Qui donc, est-ce que c'est ça qu'on a dit? Ou dis-moi, est-ce que c'est défini? Je pral redéfini. Bon, m'a pral dit publiquement. Mais est-ce que c'est dit, je pral dit avec la presse exactement que officier qui est le premier groupe qui vient là, yo, différents unités spécialisées, je pral engager yo. Bah, yo pral c'est qui l'est, qui joue, qui moi, je pral faire ça. Mais comme si, parce que attendre peuple n'a pas comblé. Parce que peuple n'a testé toujours dit que vini officier kenyan yo, yo va commencer mettre au bataille, mettre au dans goumen avec mais il a regardé autant de négocier à faire et dans ce vinn danser, négo défile vinn faire et par radio vinn faire. Mon yo dit c'est vous ça même vous n'exa valé. $600 million ça qui va le décaisser pour ba négo là chaque année, mais vous négo aller. Et c'est résoudre insécurité pas aujourd'hui. Yeah. Résout problème insécurité pas aujourd'hui. Qui donc ça yo c'est de questions que de moun a posé pour demander dans volonté nèg yo qui ça ouvre exactement. Est-ce que peuple là pral continuer à souffrir? Est-ce que peuple là pral continuer à attendre?
Yeah. Pendant ces temps, yo clairement capable que c'est l'argent qui a décaissé, c'est gros moyen qui a bail. Nego déjà commencé à toucher dans l'argent mission. Puis yo commencé déjà à bénéficier de l'argent mission et vous devez pas ici en lui-même, il still continue à victime, il still continue pas qu'à circuler. Gen ensemble des gens qui ont besoin de retourner pas qu'à retourner et il a kidnappé, nego a violé, nego a tué en pendant des bandits criminels vivant ensemble. En tout cas, est-ce que c'est